J'espère que vous allez tous et toutes très bien. L'histoire d'aujourd'hui commence le 2 janvier 1967 avec la naissance de Marcelo Costa de Andrade dans la ville de Rio de Janeiro. Sa mère Sonia est domestique et son père lui travaille dans un bar. Après avoir subi des violences conjugales, Sonia décide de divorcer. Mais après son divorce, elle a beaucoup, beaucoup de mal à joindre les deux bouts et elle décide d'envoyer Marcelo chez ses parents à elle dans la ville de Sobral, au Ceará, un état du nord-est du Brésil, alors qu'il n'a que 5 ans. À l'école, Marcelo a beaucoup de mal à se faire des amis. Il est souvent dans son coin, il est moqué par ses camarades qui le traitent de retardé. Il développe une certaine cruauté envers les animaux et arrivé à l'âge de 10 ans, sa mère décide de revenir le chercher alors qu'il n'avait pas forcément envie, il aimait bien rester avec ses grands-parents. Et lorsqu'il retourne sur Rio, il voit que sa mère s'est remariée, elle vit avec son nouveau mari, les enfants de son mari ainsi que ses enfants à elle parce que oui, Marcelo avait des frères et sœurs. Le nouveau compagnon de sa mère a exactement le même comportement que son père biologique. Il est violent avec sa mère, il est violent avec lui. Et après plusieurs séparations, Sonia décide encore une fois de divorcer. Et elle va recommencer à avoir des problèmes d'argent. Et cette fois-ci, elle va décider d'envoyer Marcelo chez son père. Son père, de son côté, il s'est remarié et a eu d'autres enfants. Il vit à Magalhães Bastos, un quartier de la zone ouest de Rio. Sa femme n'a jamais été d'accord avec le fait de recevoir le fils de son mari chez elle. Elle disait entre autres qu'il était fou et qu'il allait conduire ses enfants sur le mauvais chemin. Cette femme ne s'occupait pas de lui et le laissait des fois mourir de faim. Et son père ne le soutenait pas plus que ça. Il va s'enfuir de la maison, décider de vivre dans la rue. Et à seulement 10 ans, Marcelo sera abusé sexuellement pour la première fois. Après ça, il commencera à se prostituer, pensant que c'était le meilleur moyen pour lui de gagner de l'argent. Il sera ensuite recueilli par une institution qui s'appelle Casa dos Meninos, qui veut littéralement dire la maison des garçons. Là-bas également, il sera moqué par ses camarades. On va le traiter encore une fois de retardé. Il va même redoubler 2 fois en très peu de temps. Mais à 14 ans, il devra sortir de l'institution, celle-ci n'accueillant les garçons de 6 à 13 ans. Il recommence à vivre dans la rue et va même souvent rendre visite à son père et sa femme, mais il ne s'inquiète vraiment pas pour lui. Il va recommencer à se prostituer et avec son argent, il va beaucoup voyager à travers le Brésil en bus. Il va même arriver en Uruguay, mais son rêve à lui, c'était d'arriver en Argentine, à Buenos Aires. Quand il se retrouvait sans argent et qu'il était en plein voyage, il partait voir des institutions gouvernementales en expliquant sa situation et en demandant d'être renvoyé à la fondation de l'enfant et de l'adolescent qui se trouvait à Rio de Janeiro. En 1983, Marcelo a 17 ans. Il tombe amoureux pour la première fois d'un de ses clients, Antonio. Celui-ci a 48 ans. 17 ans, 48. Il repartira au nord-est pour voir ses grands-parents, mais il ne les trouvera pas là-bas. Et quand il reviendra à Rio, la Fondation pour l'enfance et l'adolescence qui s'occupait de lui décide de le renvoyer vivre chez son père. Mais ce dernier va encore une fois le rejeter. Encore une fois. Il va alors retourner se prostituer. Mais Antonio, dont il était tombé amoureux, va lui proposer de prendre un appartement et de vivre tous les deux ensemble. Ils vont vivre ensemble et leur histoire durera 4 ans et se terminera parce que Antonio décide de partir vivre à Salvador dans l'état de Bahia, qui est également au nord-est du pays, et il n'avait pas du tout l'intention de revenir sur Rio. À 23 ans, Marcelo arrête la prostitution définitivement. Il va repartir vivre avec sa mère et il va même trouver un travail en tant que distributeur de pamphlets dans les rues, des petites publicités comme ça qu'on distribue à la volée là dans les rues. Il avait même commencé à aller à l'église universelle du règne de Dieu sous l'influence d'Antonio. Il allait là-bas au moins 4 fois par semaine. Pour les Gabonais qui passent par là, on appellera ça arrêter de souffrir. Sa mère commence à trouver des trucs qui clochaient chez Marcelo, mais en même temps, elle se disait qu'il était déjà passé par plusieurs choses. Il avait souvent des habits très sales avec des taches qui paraissaient être du sang. Il regardait souvent des revues gays ou avec des enfants. Et sa mère avait trouvé une collection qu'il cachait dans son placard, une collection de shorts d'enfants. C'était sans savoir l'horreur qui se cachait derrière. Le 11 décembre 1991, Altair Medeiros de Abreu, 10 ans, et son frère Yvon Medeiros de Abreu, 6 ans, sortent de chez eux pour aller chercher à manger, étant donné qu'ils étaient très pauvres. Près d'un parc de Niterói, un inconnu les aborde pour leur offrir à manger.
Et je pense que, étant donné le niveau de précarité par lequel il pouvait passer, plus d'un enfant aurait pu se retrouver à cette situation et plus d'un enfant aurait pu accepter. L'inconnu leur propose de l'argent pour l'accompagner à allumer des bougies d'interception sur l'autel de Saint-Georges. Et on aura tous compris que cet inconnu n'était ni plus ni moins que Marcelo. Connaissant la situation de précarité de leur famille, les deux jeunes garçons acceptent et, arrivés près d'une bouche d'égout, Marcelo tente d'embrasser le plus jeune Ivan, mais ce dernier essaye de s'enfuir. Marcelo le retient et le bloque au sol. Altaïr regarde la scène effrayé et blessé par un coup que lui a donné Marcelo un peu plus tôt. Ivan est violé et étranglé jusqu'à ce que mort s'en suive. Marcelo jette le corps d'Ivan et tente ensuite de calmer Altaïr qui est en larmes et traumatisé. Il lui dit que Ivan s'est juste endormi. Et après coup, Marcelo oblige le jeune garçon à rester avec lui. Il l'emmène à son travail de distributeur de pamphlets et Altaïr profitera d'un moment de distraction de Marcelo pour s'enfuir. Il réussira à rentrer chez lui, mais traumatisé, il dira juste à sa famille que son frère s'était perdu dans le centre de Niterói. La famille se met à la recherche du jeune garçon, mais sans succès. Ce n'est que quelques jours plus tard que Altaïr trouvera la force de raconter à sa grande sœur ce qui s'était réellement passé, et c'est cette dernière qui dira à leur mère toute la vérité. Ensemble, ils vont aller à la police et là-bas, Altaïr racontera tout ce qu'il a vécu. C'est ainsi qu'ils réussiront à faire l'identification du corps qui avait été repêché plus tôt. C'est le jeune garçon lui-même qui va emmener les policiers jusqu'au lieu du travail de Marcelo et il sera arrêté sur place à l'heure de sa pause déjeuner. Il dira même aux policiers qu'il était étonné de la lenteur avec laquelle il avait été retrouvé, pensant être pris bien plus tôt. Marcelo, você matou essas 14 crianças? Por que que você fez isso? E o que você dizia para as crianças para elas te acompanharem até esse tipo de lugar? Sem velas. Sem velas para São Jorge. Não, pode ficar despreocupado que eu sei que elas realmente vão ser salvas. En apprenant que son fils avait été arrêté, Sonia va se rendre à la police et va raconter aux policiers tout ce qu'elle avait pu voir d'étrange chez son fils. Elle ajoutera qu'un soir, il était sorti avec une machette, disant aller couper des bananes, mais était rentré à la maison sans bananes et avec une machette tachée avec ce qui paraissait être du sang. Quand les policiers vont l'interroger sur cette histoire, il leur racontera qu'en rentrant à la maison un soir de juin 1991, il a vu un garçon du nom de Odair José Muniz dos Santos. Il lui a promis de l'argent et l'a convaincu de le suivre. Il l'a violé et ensuite tué sur un terrain de football. Il est rentré dîner avec sa mère. Il est ressorti pour le décapiter. Il va confesser 12 crimes supplémentaires qui avaient tous le même processus. Il promettait de l'argent, violait et tuait. Il gagne son surnom de vampire de Niterói après avoir confessé son deuxième crime. Il racontera que pendant qu'il violait Anderson Gomez Goulart, 11 ans, il l'a griffé au niveau du cou et a commencé à boire son sang. Selon lui, boire le sang de ses victimes l'aiderait à rester beau et jeune comme elle. Les raisons de ses crimes étaient religieuses. À l'église, Marcelo écoute le pasteur dire que les enfants qui mouraient de manière violente, entre autres en étant martyrs, avaient directement une place au paradis. Il se dit qu'il leur rendrait service et que eux n'auraient pas besoin de passer par tout ce par quoi lui, il a déjà passé. Il dira aussi qu'il préférait les jeunes garçons parce qu'ils avaient une peau toute lisse et de belles fesses.
Et ce sont les mêmes paroles qui lui ont été prononcées lorsqu'il avait été violé pour la première fois. Les corps des enfants ont été retrouvés sans leurs shorts qu'il utilisait lui comme trophée. Il sera diagnostiqué handicapé mental qui réunit la schizophrénie et la psychopathie. Il a des troubles du comportement, des troubles mentaux, dont l'oligophrénie, qui est une arriération mentale caractérisée par un retard de croissance intellectuelle qui peut être congénital ou acquise dès la petite enfance. Il a été considéré irresponsable pour ses crimes et a été envoyé dans un asile judiciaire en 1993. Le 24 janvier 1997, Marcelo suit un traitement à l'hôpital psychiatrique Hitor Carrillo à Rio de Janeiro, d'où il réussira à s'enfuir. Il sera retrouvé le 5 février de la même année à Guaraciaba, une ville du Ceará, avec une Bible à la main et très très mal vêtu. Il dira qu'il partait rendre visite à son père, puis qu'il se rendrait à Israël, la terre promise. Aujourd'hui, Marcelo a 56 ans et il se trouve à l'hôpital psychiatrique Henrique Rocha dans le centre de Niterói, d'où il ne sortira sans doute jamais. Durant toute son enfance, Marcelo a été un enfant qualifié d'étrange par tout le monde, un enfant qui racontait des choses étranges, mais personne n'a jamais cherché à savoir pourquoi, même pas ses parents. Et j'ose croire que si ses parents avaient porté un petit peu plus d'attention sur lui, peut-être qu'on aurait pu éviter beaucoup de catastrophes, peut-être que plusieurs familles ne seraient pas en deuil de leur petit garçon aujourd'hui. La société est remplie de psychopathes et ça ne conditionne pas forcément à devenir un tueur en série. La psychopathie n'est pas égale à meurtrier, la psychopathie n'est pas égale à criminel. C'est souvent des dysfonctionnements du cerveau qui emmènent à certains comportements et qui peuvent être amplifiés jusqu'à ce genre de cas. Voilà pour la fin de l'histoire et j'espère que vous aurez aimé, non pas forcément l'histoire, mais découvrir quelque chose de nouveau. Donc, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.